Bonjour et bienvenue dans Bref de Taverne. Ce soir, nous sommes au Festival Interceltique de Lorient avec Régis Suivant et Gilda Le Buet pour Whippidoop. Bonjour. Donc Whippidoop, un groupe de Fichenos qui a été créé en 2007. Gilda, tu peux nous parler un peu de la création de Whippidoop ? Ouais, bah écoute, moi j'avais joué avec le fameux Terre Magique pendant quelques années. Et puis j'ai eu envie, c'est à un moment donné où j'ai eu envie de faire plus de musique. J'étais déjà sonneur, j'avais entre guillemets une carrière de sonneur et puis et de chanteur derrière moi. Et donc quand à ce moment-là, je me suis dit tiens, il faut que j'ai envie de faire plus de musique. Donc j'ai monté le projet Billabut Band à l'époque. Et voilà les deux collègues qui arrivent, Philippe Loguin et Pierre-Yves Tardivelle. Et j'ai monté ce projet avec Billabut Band et puis du coup j'ai arrêté Terre Magique pour ça, pour me consacrer à la musique et notamment essayer d'avoir le statut d'intermittent que j'ai eu. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler avec Régis sur son deuxième album, 1732. J'ai chanté la guerre de Louis de Ravalec, et ça c'était un moment très très important, très 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 intense pour moi, parce que c'était une histoire de confiance d'entrée de jeu. C'est-à-dire que j'avais rencontré Régis sur des remplacements pour Tom Banti, j'avais fait des remplacements pour Tom Banti, et puis un jour Régis vient me voir et me dit bah, tiens, j'aimerais bien que tu chantes la guerre de Louis de Ravalec pour mon deuxième album, 1732. Et ça a été très important pour moi parce que ça était vraiment une question de confiance. Oui. Et on se connaissait tous les deux comme sonneurs, mais là on avançait sur un gros projet. Donc voilà, 1732, on enregistre, ça s'est vraiment très bien passé, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec le groupe. Et donc par la suite, bah, voilà, il s'est avéré que j'ai eu tellement de plaisir à jouer avec Régis que je me suis dit bah, si on montait un groupe. Et donc voilà, je lui ai proposé de monter un groupe qui s'appelle Whippidoop. Alors Whippidoop, ça vient de quoi? Ça vient d'un mot de la grand-mère de Christelle, qui est ma copine, et qui est du Guélo là-haut, et qui disait « Oh, moi quand je serai trop vieille, je prendrai un Whippidoop ». Ah, j'ai demandé « Mais qu'est-ce que c'est qu'un Whippidoop ?» C'est un double poison. Voilà, et j'ai vérifié effectivement dans le dictionnaire, on trouve notamment dans celui de Francis Favreau, Whippy, c'est une espèce de mélange un peu improbable, voilà, une sorte de poison. Et nous, le poison, on a utilisé ce terme-là, ce double poison, mais c'est pas méchant, hein, c'est le poison qu'on distille, nous, la musique qu'on distille, pour faire danser les danseurs un peu plus, un peu plus loin, les faire même éventuellement léviter et puis rentrer en transe. Au départ, c'était un trio, oui. 2007, avec Pierrick Tardivel, le troisième larron à la basse, et au Ngouni. Et puis sur les albums qu'on a enregistrés en 3 ans, trois albums, on a invité Philippe Loguin à la guitare. Depuis, ben, il est avec nous sur scène, Whippidoop est à 4 musiciens. Des musiciens entre Pierrick et Philippe qui viennent du jazz. Toi aussi, tu as fait du jazz à une époque, alors que toi, Gilda, ce que tu fais, c'est un peu de jazz, mais au chant, c'est quand même assez typiquement vintage. Hein. Ouais.
c'est un mélange. C'est au niveau des influences, qu'est-ce que vous avez voulu faire justement avec Weepy Doop? Alors, ce qui est très important pour nous, peu importe l'enveloppe musicale qu'on va mettre autour, peu importe les habits qu'on va mettre autour de la mélodie, pour nous, ce qui est très important, c'est quand on joue un thème, que ce soit une gavotte, que ce soit un laridé, que ce soit un cassabar, c'est très important pour nous de nous rapprocher au maximum du style. Ça, c'est très important. On a envie de faire danser les gens et bien danser les gens. On a aussi une conscience qu'on est aussi des musiciens qui avons un témoin à passer. Nous, on a reçu la musique traditionnelle. Pour moi, c'était un peu en héritage parce que mon père était sonneur et il est cofondateur d'ABS. Il s'occupait de la commission couple pendant des années. Enfin bref, c'est moi, j'ai appris à chanter notamment dans la famille avec mes grand-tantes, tu vois, qui étaient chanteuses à l'Opéra-Mondon. Voilà, tout ça, ma petite sœur qui a appris à chanter aussi. Voilà, dans le milieu familial, mon frère qui est sonneur Bignou, bon, tout ça fait que moi j'ai baigné dedans. Et Régis, lui, il a été chercher cette musique-là, mais il a le même respect pour la musique bretonne, et je pense que pour nous, c'est très très important. Il y a un aspect de transmission, voilà ce que tu nous expliques. Transmission et un aspect de, on a reçu quelque chose, on ne va pas faire n'importe quoi avec ça. Et ça, c'est quand même une volonté, parce que c'est très très traditionnel, effectivement, traditionnel sur les thèmes que vous utilisez, mais par contre, plutôt orienté. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire jazz, parce qu'il y a plusieurs influences. Je ne dirais pas trop de jazz. Le jazz, moi, j'en ai jamais joué. Le jazz tel qu'on l'entend, les standards américains, oui. Ça a plutôt été un vocabulaire, quoi. Le vocabulaire du jazz, pour D'accord. improviser sur toutes les musiques qui nous plaisent, etc. C'est pareil pour Philippe et Pierre qui ont joué dans différentes formations. De temps en temps, jazz a joué des standards et de temps en temps, utiliser ce bagage musical pour la musique world en fait. Hein, nos deux compères, là, ils jouaient dans le trio Cage avec Jean-Luc Thomas. Ils ont joué dans différentes formations de création autour de la musique traditionnel et autour du jazz. Voilà, c'est un vocabulaire, quoi. C'est oui. D'ailleurs, comment vous travaillez pour les compositions voilà, vous organisez comment pour travailler ensemble je peux dire une chose, c'est que... non, mais je vais dire un petit morceau de la réponse, mais en tout cas, Lupidou, c'est un groupe qui répète pas. D'accord, alors... On a... Ouais. Très bien, non mais... Non, parce que ce qui est rigolo, c'est que je discute avec des gens, je remplace des gens dans d'autres groupes, et c'est des gens qui répètent beaucoup. Et donc nous, on répète très peu. Quasiment pas. Et la gavotte qu'on a montée, tu nous as présenté les thèmes que tu avais composés, on les a joués une ou deux fois comme ça, et feu patate. Voilà. Au tout début quand même, Gilda proposait son répertoire chanté. Oui, pour démarrer en fait. Hein. Et petit à petit, on s'est dit qu'on pouvait aussi composer. Moi je me suis pris à ce jeu-là, avec en tête ce comportement de sonneur, c'est-à-dire le plus proche d'un sonneur de Bignou de Bombard, le plus proche d'un chanteur de Quand la Discorde, c'est-à-dire du thème, de la musique répétitive, de la musique à bourdon, comme on a l'habitude de dire, et ne pas trop s'embarquer dans des arrangements. Sauf que on fait aussi plaisir, hein. Moi je joue de l'accordéon, ça veut dire forcément, un petit orchestre à lui. Ça vient au fur et à mesure aussi. Je après. Je me suis retrouvé à la maison à composer dans cet esprit-là, mais avec l'accordéon, à aussi imaginer tout l'ensemble, quoi. La mélodie et l'arrangement.
Je le fais aussi pour Skolvand, l'autre groupe de Finlande dans lequel je joue, en imaginant qui va jouer quoi. On est déjà dans le bain. Ce qui explique pourquoi on répète très peu, c'est que on a une ligne de conduite, on se retrouve en un rien de temps, ça y est, on a une suite de composés. Quoi. C'est pas la facilité, mais on en a tellement ingurgité du trad, du traditionnel, que maintenant on se joue de ça. On va composer et on va chercher à être trad, no trad, quoi. Toujours à la limite. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs du coup sur scène, parce que c'est vrai que vous avez une très grande complicité entre vous, vous avez une facilité quand même à improviser, parce que vous avez effectivement le thème, et c'est vrai, c'est jamais deux fois la même chose, c'est très très vivant, pour le Fest-Noz, c'est moi je trouve très très bien, effectivement pour les danseurs, parce qu'on a une très très bonne ambiance musicale. Hein. Ça fait partie d'un travail, quand je suis régulièrement en couple, je le fais toujours, mais un peu moins. Mais c'est quelque chose que je cherchais déjà avec mon compère. C'est-à-dire, ça me rappelle une histoire quand j'étais beaucoup plus jeune. J'écoutais notamment Loïs Le Braz et un compère qui était sur scène. Mon père me dit, écoute, il fait jamais deux fois la même phrase. Mais un saxophoniste de jazz ou un musicien de jazz, une fois qu'il a exposé le thème, qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Il brode autour. Et surtout, il va essayer de parler sa langue, son langage. Donc, il va essayer de ne pas se répéter. C'est peut-être ça qu'on peut trouver en commun, même s'il y a des choses qui sont très loin. Il y a peut-être ça en commun, cette envie de discuter musique. Parce que la musique, c'est le langage, c'est un langage, c'est le langage universel. Quoi. Et nous, on discute sur scène et on se marre. Et souvent, la conversation est assez rigolote. Quoi. Donc ça c'est très important pour nous, c'est de s'en renvoyer la balle, échanger et ça avec les compères que j'ai eus en Bignou, ça c'est quelque chose que j'adore faire, se renvoyer la balle, discuter. Oui, c'est vrai qu'on le ressent sur scène hein, parce qu'on voit vraiment votre complicité, votre générosité que vous avez sur scène pour les danseurs et c'est vraiment très très agréable. Et une prise de risque aussi, ça c'est très important quand tu es musicien, essayer de repousser un petit peu les limites, ça c'est très important. C'est le fait de ne pas avoir fixé trop les choses à la base, avec beaucoup d'arrangements. C'est pas pour critiquer les autres musiques où il y a beaucoup d'arrangements, on est déjà passé par là avec d'autres formations. Là, c'est un parti pris de se rapprocher de quelque chose de très, très épuré. Priorité à un thème en boucle, et priorité à une danse dans le bon style et le bon tempo. Voilà, on fait 9 fois sur 10 du Fest-Noz, on fait danser les gens. C'est notre balle, faut pas l'oublier. C'est quand même le but au départ. Oui. Et cette simplicité nous amène à cette prise de risque, parce que en ayant très peu de matière au départ, ça ouvre à plein de choses. Et puis c'est à celui qui provoquera le voisin, c'est ça la musique d'ensemble. Quoi. On passe notre temps à composer pour faire la musique d'ensemble. Là pour la danse, on a un cahier des charges, c'est de respecter le style. Quoi. Oui. Thank you.
que Whippy-Doup l'année prochaine aura 10 ans, déjà 10 ans, des gamins effectivement. Ouais. Donc en 2017, quelques festivités de prévues pour Whippy-Doup. Nous on continue à créer, donc on a largement un quatrième répertoire qui pourrait être fixé sur un disque bientôt. Enfin, c'est dans nos têtes depuis longtemps, mais on a tous à droite à gauche différents projets qui font que peut-être ça sera l'année des 10 ans que sortira. Ça sera l'occasion parce qu'il faut prendre le temps de l'organiser et le mettre en place. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour un enregistrement live, il y a plein de possibilités. Bon, bah très bien. Eh bien écoutez, Whippy-Doup toujours sur les scènes de Fechnose en 2016 mais aussi en 2017. Et puis je vous invite donc à retrouver toute l'actualité de Whippy-Doup sur leur site internet whippydoup.com. Voilà, merci. Merci beaucoup et bonne fin de journée. À nouveau. Salut.